retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, présentation d'un livre de coloriage. Oui, encore un nouveau livre, mais aujourd'hui c'est pour moi le livre. Alors je vous montre. Alors c'est quelque chose de entièrement différent de ce que je fais d'habitude, mais quand j'ai vu l'image, j'ai été voir sur YouTube si des filles avaient ce livre et voir ce que c'était, et j'ai craqué. Voilà, malgré que c'est pas du tout mon univers d'habitude, j'ai craqué dessus. J'ai dit ça va me changer et j'ai adoré tout de suite et j'ai dit je vais le prendre. Alors par contre il va y avoir du boulot. Alors voilà, c'est celui-ci. Alors c'est pas écrit en français, c'est Gnome in the Night Brood, si je prononce bien. Alors, c'est l'illustratrice, c'est Denise Klett. Voilà, donc c'est un livre qui est sorti en octobre 2018. Voilà. Donc, vous avez bien vu, c'est des gnomes. Oui, des gnomes. ouais, ben j'ai craqué sur des gnomes. Que voulez-vous? Je les ai trouvés très rigolos. Alors, il y a des pages où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Bon, on verra, hein. Voilà. Il y a des pages très amusantes. Non, mais j'ai vraiment trouvé très rigolo ce livre. Alors, moi, je l'ai pris sur Amazon, bien sûr. Et sur Amazon, j'ai vu qu'il y avait deux autres livres de cette illustratrice. J'en ai pas vu d'autres. Donc, je ne sais pas. Bon, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais Amazon n'a que trois livres. Oh, je sens un clic-clic. Et donc j'ai regardé un petit peu qui était Denise Klett, parce que je ne connais pas du tout. Alors c'est beaucoup écrit en anglais, donc j'ai pas cherché beaucoup non plus du coup. Alors si j'ai compris, c'est une artiste qui travaille aussi pour Disney. Voilà. Si j'ai bien compris. Et puis bon, elle a cet univers un peu enfantin, on va dire, voilà, qui sort un peu de l'ordinaire. Et j'ai vraiment craqué dessus. Même la couverture derrière, vous voyez, avec les petits oiseaux, tout rigolo, voilà. Donc on verra ce que ça donne. Alors niveau papier, le papier a l'air de très bonne qualité. On verra à l'usage si ça transperce, si ça transperce pas. Je vous redirai au fur et à mesure que je ferai des coloriages dedans. Bon, il me paraît assez épais pour pas que ça bouge. Bon, je ne vais pas tenter les feutres à alcool bien sûr dedans. Mais voilà. Alors, je regardais ce qui était marqué là. Non, mais c'est écrit en anglais, donc. Ouais, ça, c'est les noms des éditeurs, tout ça. Ouais, voilà. Donc, ouais, Denise Klett. Il n'y a rien d'autre de plus intéressant. C'est une artiste canadienne. Voilà. Elle est canadienne. Artiste canadienne avec un sens de l'humour. Oui, on voit qu'elle a un sens de l'humour. J'aurais dû le traduire avant. Des galeries. Alors, je comprends, elle décore aussi des galeries
des hôtels de luxe et des magasins. Oui, donc je pense qu'elle n'a fait que 3 livres. Je pense qu'elle n'a fait que 3 livres, mais elle travaille, vous voyez, dans les galeries, des hôtels de luxe et des magasins. Donc, est-ce qu'elle expose, est-ce qu'elle fait des tableaux? Je ne sais pas très. Il va falloir que je m'intéresse un peu plus à regarder, à chercher, mais bon, comme toutes les choses sur elle sont écrites en anglais, c'est un peu compliqué. Enfin, bon, c'est une Canadienne. Voilà. Et on dit qu'elle a un sens de l'humour. Ça, voyant les dessins, on avait compris. Donc, je vais vous laisser regarder après la présentation du livre. Je vous montre les pages de dessins qu'il y a. Alors, il y a dedans, j'ai pu compter, mais je crois qu'il y a une 60aine de dessins. Aucun double. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Il y a une 60aine de dessins dedans. Et donc, oui, comme je disais, il n'y a aucun double. Il y en avait un que je trouvais super rigolo. Je suis en train de le chercher. Mais bon, vous le verrez à la présentation. Vous allez le voir. Vous allez peut-être le trouver rigolo aussi, comme moi. Mais il y en a vraiment où il y a extrêmement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Donc là, il va falloir faire attention aux couleurs. Parce que ne pas mélanger les couleurs qui ne vont pas ensemble et puis que ça fasse trop paquet, voyez, si je mets trop de couleurs, je retrouve plus, je ne retrouve plus. Bon, ça fait rien. Bon, vous verrez de toute façon dans la présentation du livre. Alors, je vous laisse regarder cette petite présentation du livre. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dire ce que vous pensez du livre. Est-ce que vous aimez? Est-ce que ça peut être votre style pour une fois, pour toujours? Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, j'attends vos commentaires et maintenant je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage. Thank you.